Alors, aujourd'hui, nous avons rendez-vous contact défunt le vendredi 24 mai 2019 avec Maït. D'accord. Alors, d'accord. Qui c'est Stéphanie? C'est moi. C'est vous? D'accord. Oui. Maït, c'est pas vraiment votre prénom, mais on va garder Maït, d'accord? Il y a une Marie quelque chose, on est en train de dire. Thérèse. Voilà, hein, il y a Marie quelque chose, d'accord. Vous êtes deux sœurs, vous êtes deux sœurs, Stéphanie? Oui. Hein, vous êtes oui. deux sœurs, d'accord. Donc c'est bien ça. Votre maman a du caractère, hein? D'accord. Faut pas trop la déranger, d'accord? Elle est contente d'être présente, d'accord? Mais elle rigole, hein? Ça la fait rire, d'accord? C'est votre maman? Oui. C'est vos parents qui sont là, en fait? Oui. Voilà, hein? Votre père, il avait intérêt à se tenir à carreau. D'accord? Dans la famille, vous êtes tous des commandeurs, hein? D'accord? Oui, c'est vrai. D'accord? Il n'y a que des patrons, d'accord? C'est ce qu'elle est en train de dire, elle est là, elle est présente, elle vous embrasse très très fort. D'accord? Elle me dit, oh, on a du caractère dans cette famille. Que des commandeurs, que des commandeurs. Elle va bien, votre maman. D'accord? Elle me dit, elle va bien. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle a été malade. D'accord? Longtemps. On a l'impression que ça, pendant un moment qu'elle a été malade. Oui. C'est vous qui aimez les chats? C'est la famille. La famille. Tout le monde. D'accord, hein? Parce qu'elle me parle de... Elle fait Minou, Minou. Elle appelle le Minou. D'accord. Il n'y a pas longtemps que j'ai un chat. En fait, avant, je ne les aimais pas trop. Et puis, j'ai récupéré un chat à un moment donné. D'accord. Et elle est adorable. Bah, vous ne l'avez pas récupéré exprès, elle me dit. C'est-à-dire? Mais ce chat, il est pas là dans votre vie par hasard. Ah. D'accord. D'accord. C'est un chat clair, elle me dit. D'accord. Il est. Je sais pas. Non, je dirais. J'ai l'impression qu'il y a deux couleurs. D'accord. Il est un peu rouquin, crème, blanc. Voilà. Elle me montre couleur. C'est elle qui vous l'a envoyé. Ah, merci, maman. Merci. Je sais. Elle dit. Je sais que c'est pénible. Mais bon, tu vas t'y habituer. c'est un chat affectif. Vous voyez, c'est un besoin. D'accord. Alors, elle dit, ça ne me remplace pas, mais ça t'apporte un compagnon, elle dit. Ouais, c'est vrai. De la compagnie, c'est surtout ça. Ouais. Vous êtes occupée d'elle, Marie? Non, j'étais trop jeune, en fait. D'accord. Elle est morte quand j'étais jeune. D'accord. Et elle est décédée. Le jour où mon papa a devait la chercher à l'hôpital. D'accord. Donc on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment. D'accord. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle va vous dire tout ça. D'accord. Mais vous savez, elle est en train de me dire tu t'es occupée de moi parce que j'ai toujours été dans tes pensées. Tout le temps. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu m'as toujours demandé de l'aide. Tu m'as toujours demandé. Même pour les maternités que vous avez eues avec vos filles. Vous avez toujours pensé à elle, maman, si tu étais là, comment je pourrais faire, comment... Vous voyez? Elle dit, j'ai toujours été là, tu t'es occupée de moi, elle me dit, même en étant sur Terre. Elle me manque tous les jours. Alors, je suis désolée de dire ça, mais elle aime bien rigoler, elle dit, et moi pas autant, parce que j'ai toujours été présente. D'accord? J'ai toujours été présente. J'avais une question à poser. Oui, allez-y, allez-y, Marie. J'ai pas voulu aller à ses funérailles, est-ce qu'elle m'en veut? Non, non. Alors ça, c'est moi qui vais répondre non. Et elle répond non, parce que, comment dire, c'était trop dur pour vous, d'accord? Pour vous, ce départ comme ça, précipité, c'était anormal, d'accord? Elle comprend votre chagrin. Elle n'est pas en colère? Non, 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 elle n'est pas du tout en colère.
Elle dit, il faut que vous... Il faut, d'accord. Elle, il faut que vous... Marie, il faut faire la paix avec ça. D'accord, hein, avec cette histoire d'enterrement. Je veux dire, quand ils se libèrent de leur corps, ils sont partout. D'accord. Et c'est pas là qu'elle était. Elle était avec vous dans votre chambre. D'accord. Vous avez beaucoup pleuré. Vous avez voulu faire la forte. Et puis à un moment donné, tout est tombé, elle dit. Voilà. Elle me dit, t'as voulu, pas voulu montrer que tu voulais garder cette peine. Et elle m'a dit, moi, je t'ai fait tout vider. Voilà. Pour pas que tu tombes malade avec ça. Vous l'avez cherché partout, elle dit. Ouais, c'est vrai. Hein, son odeur, son parfum, tout. Tout. Elle est très coquette, votre maman, hein? Très. D'accord, oui. Hein, c'est de famille, elle dit. C'est vrai. D'accord, hein, voilà. Elle dit, j'ai été là à tes accouchements. J'ai été présente. Mmh. Voilà. Vous avez eu peur d'accoucher, elle me dit. Ouais, j'étais jeune en plus. D'accord, elle me dit que vous aviez eu peur d'accoucher. C'est quoi la lettre V pour vous? Valérie. Oui. La deuxième fille. D'accord. Valérie. Alors c'est Valérie. Alors. Elle dit Valérie comme victoire. D'accord. Voilà. Tout. Elle me dit je les aime mes petits enfants. Mes enfants. Moi aussi on les aime. Voilà et mes petits enfants. Alors toujours elle met ses bigoudis. D'accord. Il fallait lui mettre ses bigoudis ou elle demandait de l'aide pour mettre ses bigoudis ou elle c'est bruit. Hein, elle aime pas du tout que ses cheveux soient pas bien coiffés. Il faut que ça tienne, elle dit. Il faut que ça tienne. Allez, la laque. D'accord. Hein. Et toujours son rouge à lèvres. Ouais. Toujours son petit rouge à lèvres. Voilà. Très coquette. Ouais. Très très coquette. Elle dit j'espère que j'ai été une bonne mère. Merveilleuse. Voilà, j'espère que j'ai été une bonne mère. Pardon d'être partie aussi rapidement. D'accord. Elle me dit qu'elle a été à l'hôpital pour un contrôle, pour quelque chose, d'accord. Et puis, on l'a soignée, et puis elle devait sortir, et puis ça s'est compliqué. Ça s'est compliqué. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle a fait une infection. Oui. D'accord. Qu'elle a fait une infection. Et c'était plus grave qu'on ne le pensait. Voilà. Alors, j'ai des raideurs de cou avec elle, avec votre maman. Vous voyez ? Des raideurs de cou, comme si mon cou, je ne pouvais pas le bouger, comme si j'avais un... Alors, je ne pense pas que ce soit un torticolis et tout, mais je sens une raideur vis-à-vis d'elle. C'est ce qu'elle me montre. Hein. Elle n'est plus du tout comme ça. Hein. Elle est obligée de me montrer... cette raideur, comme si tout était crispé à ce niveau-là, d'accord ? D'accord. Elle dit, il faut pas en vouloir au corps médical, hein, parce que c'est son corps qui était malade, d'accord ? Ils ont fait pour leur mieux, pour eux, elle allait mieux, d'accord ? Elle avait plus de fièvre. Donc, elle devait sortir. Hein. Ils ont attendu encore un jour, savoir si elle n'avait pas de fièvre. Et, parce qu'elle faisait de la fièvre, elle est en train de me dire. Et par la suite, c'est passé. La fièvre est passée. Ils ont dit, bon, c'est bon, vous pouvez rentrer. D'accord. Votre maman est en train de me dire qu'elle faisait souvent des cystites, des problèmes de cystites, problèmes urinaires aussi. D'accord. Elle avait une fragilité aussi par rapport à ça. Elle l'a toujours eu, dès l'âge de ses 15 ans, elle dit. D'accord. Elle est travaillée, votre maman, parce qu'elle me montre un travail. Hein. Elle travaillait, votre non. maman ah, mais quand elle était jeune. Elle est des enfants, c'est du travail. Mais... D'accord. Elle ne travaillait pas à l'extérieur. D'accord. Mais elle montre qu'elle travaillait enfant, qu'elle avait travaillé enfant, jeune fille. Avant de d'épouser votre papa. Je crois qu'elle faisait un petit boulot parce qu'elle me montre quelque chose. Elle aurait aimé être dans la mode, votre mère, vous savez. Avoir un magasin de vêtements ou de prêt-à-porter, des chaussures, des vêtements. Elle aurait aimé être dans ce milieu-là, elle est en train de me dire. C'était une très bonne couturière. En fait, elle faisait tout merveilleusement. Donc, elle faisait de la couture.
Oui. D'accord. Parce qu'elle me montre une boutique, elle aurait aimé avoir une boutique avec des vêtements, des choses, vous voyez, faire de la vente, tout ce qui est, elle me dit, du bas jusqu'à la tête. D'accord? Que ce soit le Elle chapeau. savait tout. Voilà. Elle est en train de me dire, j'aurais aimé avoir une boutique. D'accord? Alors c'est par rapport à ses créations, en fait. Ouais. Mais Elle habillait toute la famille, elle faisait tout elle-même. vous savez, elle est douée, hein, je veux dire, c'est une jeune. Elle me dit jeune femme, hein, attention. Elle ne veut pas dire. Voilà. C'est une femme qui. Je veux dire qu'elle a appris beaucoup de choses par elle-même aussi. D'accord? Oui. Voilà. Elle aime surtout les vestes. Hein, vous voyez? Les belles vestes. Voilà. Elle est en train de dire ma poupée. Vous étiez sa poupée? Je ne sais pas, peut-être. Voilà, elle me dit ma poupée. Mais elle nous habillait comme des princesses, c'est vrai. D'accord. Elle dit vous serviez de modèle aussi. D'accord? En faisant une petite jupe, quelque chose que vous allez porter, une chemise et tout, elle avait toujours du boulot. Elle me montre qu'elle travaillait beaucoup, qu'elle avait toujours du boulot. Oui. D'accord? Voilà. Alors, votre papa, j'essaie de voir. Alors, ils sont pas constamment tout le temps ensemble, d'accord? Voilà. Ça a été difficile pour votre père je veux dire. Il s'est remarié, votre papa, par la suite, ou il s'est mis avec quelqu'un? Oui, Hein? mais bien après, quand il nous a élevés tout seuls, et Ouais. après il s'est remarié. Hein? Parce qu'elle est en train de me montrer ça, elle me dit c'est pour ça que voilà je veux dire qu'ils sont pas forcément ensemble, d'accord, ils se voient et tout ça, mais c'est ils sont plus dans le lien de je veux dire affectif ou tout ça. Votre père c'est quelqu'un de très séduisant, très d'accord. Il est en train de il vous embrasse votre père, ça y est, il arrive. On dirait un colonel, vous savez, un militaire ou un gendarme, je sais pas, il est Il très. était militaire de carrière D'accord, parce ou qu'il dans me, un il long me moment. d'accord, parce qu'il me montre qu'il est fier, de porter, d'être. Vous voyez, il a une très très belle allure. Voilà. Votre père, après votre maman, et bien sûr, même si c'est pas, il n'a pas forcément montré qu'il avait une femme, il en avait, d'accord, hein? Il me dit, tu crois pas que j'allais rester célibataire comme ça C'est pas de moi, d'accord? D'accord. C'est quelqu'un de fier, hein? Il aimait sa femme, hein? D'accord? Il a aimé votre maman. D'accord? Il pouvait lui reprocher des fois son côté un peu non fine, non svelte et tout ça. D'accord? Il lui faisait des fois des remarques. Il dit, je lui ai dû lui demander pardon par rapport à ça. D'accord, Voilà. c'est bon. Ouais, il faisait des remarques, t'as pris du poids, attention, attention à ce que tu manges. Pas gentil, ça, c'est pas gentil. Non, c'est vrai. C'est vrai. Hein? Même si on était enfant, on s'en rendait Vous compte. vous rendez compte? Parce qu'il est en train de dire, j'ai pas été très gentille avec votre mère, pourtant elle mangeait pas beaucoup. Elle faisait attention à ce qu'elle mangeait, la pauvre. C'est Hein? vrai. Et il dit, j'ai pas été. C'est pour ça que votre maman, elle est avec quelqu'un d'autre, elle est de l'autre côté. Elle est avec quelqu'un d'autre. Elle n'est pas avec lui. Elle est heureuse alors. Oui, elle est très très heureuse. D'accord? Elle dit, je vous attends. Je t'attends. Je t'attends toi et je t'attends, elle dit. Quand tu passeras de l'autre côté, je t'attends, elle dit. Votre père, vous voyez, elle dit, tu sais, ton père, c'était un séducteur, hein? C'est vrai, c'est vrai. Il sait plus quoi dire là. Comment? Il Il sait sait plus plus quoi quoi dire. Il sait plus quoi dire. Eh bien oui, tout est dévoilé là maintenant. C'est qui Sist quelque chose, Sistine ou Sistane Sixtine, ou... c'est ma fille. C'est votre fille, hein? Sixtine, c'est ma fille. Ma D'accord. petite fille, oui. D'accord. C'est votre aînée ou la plus petite? Parce que vous en avez deux aussi? Elle Ah, vous en avez une seule?
Oui. D'accord. Vous ne vouliez pas une deuxième? Non, c'est pas possible. D'accord. Vous avez des questions à poser? Voilà. Est-ce que ma maman a retrouvé son fils qui était décédé quand il était bébé? Oui. D'accord. Il est adulte aussi, lui, hein, donc voilà. Maintenant, il est adulte. Oui, c'est un adulte, il n'est pas resté bébé. D'accord. Il n'est pas resté bébé, ils grandissent de l'autre côté. Je veux dire, à part, je veux dire, oui, ils sont adultes, les âmes grandissent, je veux dire, d'accord, hein? Quand ils ont eu appris un corps d'enfant, je veux dire, après, ils s'élèvent de l'autre côté. D'accord? D'accord. Ils ont un plan où ils vont aider, en fait, de l'autre côté, des enfants, ça va être complètement différent. D'accord? D'accord. En fait, ils font un aller-retour. Ils viennent expérimenter le corps de la maman, puis après, ils décident de ne pas forcément naître pour pas, je veux dire, pour ne pas avoir souffrir. Ils se disent, oh, c'est bon, allez, je préfère repartir. Ils ont bien raison, des fois. Voilà. Et je voulais savoir, j'ai un frère qui a disparu quand ma mère est décédée, il est parti, donc depuis 50 ans. D'accord. Est-ce qu'il est avec elle ou est-ce qu'il est toujours sur Terre? On n'a pas de nouvelles. Non, c'est quelqu'un qui est... D'accord. Non, il est pas décédé, votre frère. D'accord. 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 Votre maman, elle me dit qu'il est du côté du Vietnam. Ah, Du côté oui. de l'Asie, en fait. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que tu peux me préciser? D'accord. Elle me parle de ce côté, du côté est, d'accord? Du soleil levant, elle dit. C'est là-bas D'accord. qu'il est. Il a refait sa vie là-bas. D'accord. D'accord? Alors, vous n'avez pas de nouvelles de votre frère parce que comment dire, d'accord. On a l'impression que votre frère a eu un souci au niveau de la mémoire. Vous voyez, elle est en train de me montrer. Ah. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'il a eu un accident et qu'il a eu comment dire, une partie de la mémoire qui a été effacée en fait. D'accord. D'accord. Elle me dit qu'il est heureux. Ah bon. D'accord, il est heureux, tout va bien, il est avec quelqu'un, d'accord? Elle me montre une femme aux yeux bridés, d'accord? D'accord. Voilà. D'accord, apparemment ils travaillent avec elle, ils travaillent ensemble, d'accord? D'accord. Elle me dit il est heureux, elle s'occupe bien de lui et il s'aime, il y a de l'amour, il est vivant, d'accord? Elle me montre le côté. Alors elle a fait des recherches pour savoir d'où, comment dire, elle sait qu'il est français, d'accord? Mais elle sait pas, elle a fait des recherches pour savoir qui est sa famille, mais ils n'arrivent pas à trouver en fait, même lui il cherche. D'accord? Mais voilà, il est du côté asiatique, voilà, c'est tout. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. Il est bien, il va bien. Il a beaucoup de chiens, hein? C'est drôle. Il a beaucoup de chiens, d'accord? Je vois une maison avec beaucoup de chiens autour, il en a au moins 4-5 ans. D'accord. D'accord? Elle est, je veux dire, elle est de bonne famille, elle est, voilà, il manque de rien. Et je voulais savoir si c'est maman qui avait aidé Sixtine dans ses études et est-ce qu'elle protège ses arrière-petits-enfants? Oui, elle a un grand amour pour Sistine. D'accord? Voilà. Hein? Elle va réussir, elle dit. Elle va y Ah. arriver. Elle va réussir. Elle est studieuse. D'accord? Hein? Pourtant, elle a un côté Sistine, un côté fragile, un côté, je veux dire, un manque de confiance en elle. D'accord? Et du coup, elle peut saboter les choses par ses peurs, par ses craintes et tout ça. Elle dit, dis-lui que je l'aime et dis-lui que je la protège. Elle peut me demander tout ce qu'elle veut, elle dit. Ah, d'accord, merci. D'accord? Et elle protège aussi sa deuxième arrière petite fille.
Elle protège toute la famille. Elle dit, je suis là, j'ai un œil sur... Alors, vous êtes beaucoup de femmes, hein. Elle me montre beaucoup de filles. D'accord. C'est planète Nénette. elle dit non, planète princesse, elle dit. C'est vrai. On vous appelait comment? Nénette, quand j'étais petite. À pas confondre avec le chat, elle dit. Hein. Pourquoi vous avez... C'est une chatte, le chat? Oui. Voilà. Votre maman, c'est quelqu'un de très joyeux, c'est quelqu'un qui aime parler avec les gens. Oui. D'accord. Et puis, elle me dit qu'elle travaillait tard aussi le soir. Elle aimait travailler le soir pour être tranquille aussi. D'accord. Mais toujours fatiguée. Elle me montre toujours fatiguée. C'est quelqu'un qui se donne très... voilà, je comprends pourquoi elle a mal à la nuque. Elle avait mal à la nuque parce qu'elle était constamment comme ça, en fait. Hein? Elle a beaucoup travaillé à la machine, mais elle a beaucoup cousu aussi à la main. Oui. Alors, elle est douée en tout avec les mains, d'accord? Elle fait tout. Elle peut faire du crochet, elle peut faire de la broderie, elle peut faire tout avec ses mains, de toute façon. Elle cuisine tout, elle faisait tout. Voilà. D'accord. Elle me dit comme moi, en fait, comme moi, elle dit. Elle veut dire comme toi, Isabelle. Ouais. Vous savez que mon premier métier, c'est styliste modéliste, hein. Je couds, je fais tout. Ouais. D'accord. D'accord. Voilà. C'est pour ça qu'elle me dit comme moi, en fait. Elle me montre que voilà, qu'elle a ce côté. Ouais, maintenant, moi, j'ai plus le temps de faire ça, je fais autre chose. Voilà. Posez-lui des questions, elle a envie de parler avec vous. Elle a envie, elle me dit... Votre papa, elle l'a mis de côté, elle lui a dit, bon, toi, tu... Hop. Ouais. Il écoute, hein, il est présent. Hein. Mais elle dit, j'ai pas eu le temps de lui parler, j'ai pas tout ce temps sans pouvoir lui exprimer mon amour à ma fille. Donc, pour elle, elle est heureuse d'être là. Donc, elle l'a mis un peu de côté, votre père, parce que vous l'avez plus profité. Ah, moi aussi, je suis très heureuse. Ça fait tellement longtemps. Voilà. Et je voulais savoir, en fait, ma famille a explosé à son décès. Et frères et sœurs, on s'est tous séparés. Oui. Sans se disputer, mais... Oui, en fait, chacun a fait ça. Pourquoi on n'arrive pas à être ensemble? Parce que elle aimait bien avoir tous ses enfants ensemble. Voilà, elle me dit... D'accord, qui c'est Jean-Luc ou Jean-Michel. Hein, c'est Jean-Michel? Oui. C'est votre frère, hein? Oui. D'accord. Mais on a l'impression que vous êtes éloignée aussi, elle me dit, du continent. Elle me montre comme si certaines étaient parties dans le sud ou Paris ou non. Non, non. C'est vraiment qui était dans le sud. Oui, c'est l'autre frère qui était dans le sud. D'accord. Du côté de Perpignan, de ce côté-là? Oui. Hein? D'accord. Elle les voit, hein, elle voit leur évolution et tout. Ils sont pas forcément famille après. Vous savez, votre maman, elle est partie trop tôt, elle dit. Oui. Et donc, du coup, elle a pas relié la famille. Votre père, c'était toujours sa carrière. Il a fait de son mieux. D'accord. Oui. Elle dit, si j'avais vécu un peu plus longtemps, elle dit, vous auriez été beaucoup plus proche. Hein. Voilà, il faut pas le regretter, Marie, elle dit. D'accord, elle dit chacun fait sa vie différemment et tout, mais c'est pas pour ça que vos frères n'ont pas une pensée pour vous, que la famille n'a pas une pensée pour vous. Ils ont une pensée, mais ils sont toujours pris par le système, elle dit. D'accord, leur système, leurs enfants et tout ça. Donc finalement, ils donnent pas de nouvelles. Elle dit, si tu veux relier le lien, c'est à toi de donner de nouvelles. Elle dit, vas-y. J'ai essayé, mais ils ne répondent pas, en fait. Ni ma petite sœur. Elle dit, ça me fait de la peine aussi. Oui. Elle dit, ça me fait de la peine aussi. Elle dit, tu as ta fille, tu as tes petits-enfants, c'est ça qui est l'essentiel avant tout. Oui. Et elle c'est dit, ce que je dis. Et elle dit, ta petite chatte. Hein. vous l'avez appelée Marinette ou Marignette ou quelque chose? Marnie, voilà. Marignette, elle me dit. Elle l'appelle Marignette.
Elle aussi, elle est rentrée dans votre vie parce que vous avez besoin de douceur. D'accord? Oui. Et pas être seule. Elle dit, c'est au moins elle t'occupe. Au moins elle oui. te demande. Elle, voilà, tu bouges avec elle. Tu es obligée de faire des choses avec elle. Voilà. Oui. Et elle est très câline. Oui. D'accord? Au début, elle était sauvage et puis maintenant, ça y est, elle devient câline, elle vient vers toi. Et elle va le faire de plus en plus. Tu vas voir, tu vas t'attacher, elle dit. C'est déjà le cas. Elle dit. C'est vrai qu'elle a été abandonnée. Voilà, les histoires de poils ouais. et tout ça, elle dit, hop, tu lui fais son petit coin, tu lui as fait son petit coin, ça y est, elle sait maintenant. D'accord. Qu'est-ce qu'elle peut dire sur son arrière-petite-fille, la fille de Valérie? Est-ce qu'elle a parlé de Sixtine et pas de Ivy? C'est Ivy? Oui. D'accord. Elle est plus jeune, Ivy? Oui. Hein, elle est petite encore, elle me montre encore... Elle a 15 ans. Oui, elle est adolescente, elle est... Oh, elle est coquine, elle, hein? C'est une coquine, hein? Elle a toujours son mot à dire aussi, hein? D'accord? Ouais. Alors, elle me montre une petite blonde. Elle est blonde, Ivy? Oui. Hein? Très blonde. Oui. On a une blonde vénitienne, même, vous voyez? Oui. Autant, Sistine, elle est plutôt brune, c'est ça? Plutôt châtain? Oui, châtain foncé. Châtain, oui. Voilà, hein? Autant, elle me dit, oui, voilà, elle est en train de me dire que ces deux-là, elles ne se quitteront pas, elles seront toujours liées l'une à l'autre, hein, vous voyez, comme deux sœurs, en fait. Ah oui, oui. Vous voyez, c'est ça qui est beau, elle dit, tu vois, elle dit, moi, je n'ai pas pu rester longtemps, donc je n'ai pas, même si vous étiez liés les uns aux autres, que c'était important pour moi, de, vous voyez, elle prépare le repas, elle va faire vite sa couture, elle revient, elle vous fait manger, soyez sage, chut, pas de bruit. Mangez tranquillement, faites pas de bruit, parce que papa, quand il rentre, il faut le calme, hein, il faut pas de cris, il faut pas de... Vous voyez, elle vous laisse jouer et tout ça, elle vous laisse vous défouler, mais dès que papa y rentre, hop, chut, il faut plus faire de bruit, il faut le laisser dans le calme et tout, hein, parce que il a une journée dure, difficile, alors que c'était elle qui faisait tout. C'est vrai. C'est elle qui faisait tout, c'est elle qui menait tout, toute la barque, je veux dire, elle me dit, c'est moi, d'accord, elle est très marrante votre maman, elle me dit, c'est moi qui tenais l'arche de Noé, d'accord, elle a manqué de rien, elle me dit, vous voyez, elle m'a montré de rien, vous avez des volets rouges chez vous? Non, c'est Stéphanie. Ah, c'est moi. C'est vous qui avez des volets rouges? D'accord, parce qu'elle me montre devant... Alors, c'est devant chez vous qu'elle est. Elle est devant votre porte. Mais j'y suis pas. Je suis là. D'accord. Oui. Voilà, elle me montre chez moi, là. D'accord. Non, elle est devant chez Stéphanie. Ça a étage? Oui. Voilà. Il y a deux. Oui, d'accord. Donc, elle est devant chez vous, là. Elle regarde votre maison. Ah bon, d'accord. Elle est en train de me montrer, d'accord? Elle me montre. Il ne fait pas beau chez vous? Si. C'est légal. Il est couvert. Voilà, c'est couvert. Mais elle dit, il ne fait pas beau. Elle est le soleil. Oui, elle dit, il ne fait pas beau. Alors viens, reviens-moi. Qui c'est Thérèse? Est-ce qu'elle a été heureuse sur Terre? Malgré les difficultés de l'époque, les enfants élevés? Non, elle dit qu'elle a eu de la chance. Pourquoi? Parce que, d'accord, elle me dit ton père avait une carrière, ton père avait... Voilà, j'ai gagné de l'argent avec ce que je faisais, d'accord? Elle me dit c'est beaucoup de travail, mais je gagnais de l'argent. On n'a manqué de rien, elle dit. Non. D'accord. Elle dit, par rapport à d'autres qui étaient dans la misère, nous, on a manqué de rien. Mais elle était loin de sa famille, en fait, dans un autre pays. Voilà. Non, ça ne la dérange pas. Ah. D'accord. Votre maman est des origines belges ou polonaises? Non. Allemande. Allemande, d'accord. Elle me montre l'Est, d'accord. Voilà.
Ça ne la dérange pas. Mais vous savez, sa famille a été disloquée en Belgique, en Pologne aussi. Elle me montre. D'accord? Tout ce côté-là, en fait. Ça ne la dérange pas. Elle a beaucoup retrouvé des membres de sa famille maintenant de l'autre côté et elle est heureuse de les avoir retrouvés. D'accord. Elle dit, tu vois, comme moi, je n'ai pas forcément des nouvelles ou c'était compliqué. D'accord. Ouais. Elle fait la même chose. Elle me dit, c'était la même chose aussi pour elle. Ouais. Voilà, avec ses frères et sœurs, c'est pareil. Donc, il faut pas lui en vouloir, en fait. Il faut pas leur en vouloir. D'accord. Dans ma tête de petite fille, je pensais qu'elle était malheureuse de ne pas avoir de nouvelles de sa maman, de ses frères et sœurs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le téléphone. Il n'y avait pas le téléphone et puis il n'y avait pas l'écriture aussi. D'accord. Elle ne savait pas et elle me dit, c'est pas grave, ça. D'accord. Elle était heureuse quand même. Elle est désolée. C'est mon mari qui était en train de réparer une prise et de taper. Et donc, j'étais le rouspété. C'est pas grave. Alors, on le verra dans la vidéo que je suis allée. Mais qu'est-ce que tu fais, chérie? Donc, je suis allée rouspéter aussi. Votre maman, elle avait... Vous savez, malgré que votre papa, c'est un militaire et tout ça, elle avait son mot à dire. Elle ne se laissait pas faire. D'accord. Voilà. Et même il a été surpris que je rouspète un peu. Je vais faire un gros bisou à mon grand-père. Voilà. Ben, il vous embrasse aussi. Il vous embrasse aussi. Il vous a connu votre grand-père. Il est en train de me dire qu'il vous a connu. Votre grand-mère, elle me dit, je vais le laisser parler quand même. Un petit peu, oui, quand même. Voilà. C'est quelqu'un qui vous... d'accord, il est en train de me dire qu'il n'a pas eu le temps forcément avec ses enfants. Bon, il vous a élevé et tout ça, mais... il dit, vous avez dû faire face vous-même, les grands ont dû s'occuper des plus petits. Je veux dire, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les devoirs, que ce soit... Il regarde un peu si vous avez fait vos devoirs et tout, vous voyez. Mais il dit, les plus grands ont gardé les plus petits, il dit. Oui. Voilà. Hein. Il dit, je pouvais pas faire autrement, il dit. Et il est en train de me dire qu'il a beaucoup plus passé de temps avec sa petite fille. Voilà. Oui, oui. Hein, au moment de sa carrière, sa retraite, hein, qu'il a pu passer beaucoup plus de temps avec vous. Même ses autres petits-enfants, par rapport à sa propre famille, il a beaucoup eu de regrets. D'accord. Il me dit, j'ai beaucoup de regrets de ne pas avoir plus passé plus de temps, en fait. C'est quelqu'un qui dit pas forcément je t'aime. D'accord. Oui, voilà. D'accord. Il me montre des friandises. Il vous emmenait acheter des friandises parce qu'il me préparait des sachets de bonbons pour aller à l'école. Et vous, il se faisait engueuler parce que votre maman ne voulait pas que vous mangiez tous ces bonbons. D'accord. D'accord. Il me montre, voilà, et il dit à cause des dents, elle avait toujours peur que voilà que les dents soient voilà. Vous les distribuez, vous vouliez garder, mais vos copines vous demandaient toujours des bonbons. D'accord. Ça, c'était important pour lui. Et vous savez, il est en train de me dire ça, je ne l'ai pas fait à mes enfants. C'est vrai. Il n'a pas fait. Et il dit, j'aurais pu apporter des friandises, des choses pour les enfants. Et il dit, j'essayais de me rattraper. Ça a été un bon grand-père. Il dit, j'espère que j'ai été un bon père aussi. Oui. Voilà. Il dit, d'accord, il est en train de me dire, tu sais, moi à la maison, maman s'occupait de tout. Mmh. Elle faisait tout. Elle repassait. Et votre maman est maniaque au repassage. Oui. Si elle avait eu les fers à vapeur comme on avait, hein, elle me montre le truc, elle met un peu d'eau et à chaque fois il fallait remettre de l'eau et elle repasse très très bien. Et lui, c'est quelqu'un qui aime que ses cols soient bien repassés, que le pli soit bien repassé. Elle dit, il était lourd des fois. Hein. Mais moi, elle est maniaque quand même aussi de ce côté-là. Vous voyez, elle me montre qu'elle met le tissu et je te repasse et je repasse. Voilà. Cette chemise tous les jours. Voilà. Hein. Il a des chemises impeccables tous les jours. Voilà. Oui, parce que votre papa avait toujours une forte transpiration. Ah, voilà, c'est pour ça. Et qu'est-ce qu'ils font de l'autre côté?
Votre maman, elle rigole, elle dit, je fais plus de couture, hein. C'est bon. J'espère qu'elle se repose, elle a tellement travaillé pour ses enfants. Non, elle se repose et elle dit, d'accord, elle me dit, d'accord, tu n'as pas le droit de le dire, d'accord, mais on peut le dire quand même. Oui. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle accompagne les gens en incarnation. Hein? Pour les gens qui reviennent, en fait. D'accord? En incarnation. Elle dit, c'est d'accord. Elle dit, on est plusieurs, mais c'est pas la vie comme sur Terre. C'est plus une obligation. C'est un plaisir de faire les choses. On choisit ce qu'on a envie de faire, hein, elle dit. Et je voulais demander à mon papa, il a connu ma meilleure amie qui est décédée il y a un peu plus d'un mois. Est-ce qu'il l'a rencontrée ou pas? Il la connaissait? D'accord. C'est trop tôt encore, d'accord, Marie? C'est encore trop tôt pour qu'il ait... En fait, ça va être plus la famille qu'elle aurait perdue qui pourra... lui, ça sera après. C'est encore trop tôt pour votre amie. D'accord. Voilà. Qui c'est? Et mon papa, qu'est-ce qu'il fait de l'autre côté? Qui c'est Frédéric? Je sais pas. Non. D'accord. Ou Fred? Fred, c'était une de mes collègues. Non, je crois que c'est... Frédéric, elle s'appelle Frédéric, mais quand je travaillais. D'accord. En Allemagne, personne ne s'appelle non. Frédéric. Non. D'accord. Bon. Vous n'avez pas connu un ami à lui qui s'appelait Frédéric, qui est parti de l'autre côté? Non. D'accord. C'est qui Valérie? C'est ma soeur. Pardon. Ma deuxième fille. D'accord. Je vais noter comme ça, Valérie. Voilà. Il la protège aussi? Oui. Il me dit que oui. Alors, lui, c'est plutôt votre maman qui a... Qui a d'accord hein, lui, il n'a pas encore eu le temps de... Il a des choses... On a l'impression que... d'accord, il a des choses à réparer par rapport à sa carrière, par rapport à certaines choses qu'ils auraient fait. Donc, il a des choses à comprendre. D'accord hein? Voilà. Votre papa est parti d'un problème de cœur, Marie? Non, il avait un cancer généralisé. D'accord. Alors... ça le dérange de parler de son cancer, vous voyez? Ah. Voilà. Il n'en parlait pas non plus. Non. Voilà. Ça le dérange. Il était gêné. Oui, quand j'allais à l'hôpital le voir, il était gêné. Voilà, il me dit ça me dérange. Il ne veut pas en parler. Donc on va accepter qu'il voilà. Mais il avait un cancer généralisé, mais il me montre qu'il... c'est drôle parce qu'il était peiné avec la personne avec qui il vivait ou quelque chose, parce qu'il me montre comme s'il avait de la peine au niveau du cœur. Vous ne savez pas? Il était vraiment heureux avec. D'accord. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose avec le cœur. Alors, il parle pas beaucoup, votre papa, d'accord? Il est assez... je veux dire, il va faire les choses, il va parler plus avec les enfants qu'avec les adultes. Mmh. D'accord? J'ai l'impression qu'il est un peu gauche avec les femmes. Hein, il sait pas du tout comment parler avec une femme. D'accord? C'est possible, ouais. Voilà. Votre maman, elle dit, je vais prendre la place. Ils ont été enterrés au même endroit? Non. Non. Ça les embête, oui. C'est embêtant. Non, c'est pas embêtant. Non, non. Est-ce que ma maman était heureuse avec son mari et avec mon papa? Elle dit ça. Elle a été heureuse avec votre père, mais c'était pas évident. D'accord. Ouais. C'était pas évident parce que elle dit il avait un sale caractère des fois. C'est vrai. D'accord. Et du coup, elle était obligée de faire à sa façon à lui pour certaines choses. D'accord. De se plier
à sa façon de voir les choses. Quand elle, il lui dit, bon, il faut que tu viennes te coucher, il fallait qu'elle aille se coucher, même si elle n'avait pas terminé. D'accord ? Oui. Ça l'embête, lui, d'accord. Et il comprend tout ça, c'est pour ça qu'il a besoin de réparer des choses, de comprendre des choses et tout ça. Et votre maman, elle faisait... D'accord, elle me dit, moi, j'ai essayé d'être une bonne maman, de faire tout. Elle a été aimée par ses amis, elle me dit, d'accord ? Elle était voilà. Elle voyait toujours, elle prépare ou un café ou quelque chose. Elle est toujours, je veux dire, quand quelqu'un vient à la maison, elle sort les petits gâteaux. Elle, il y a la boîte à gâteaux, elle dit. La boîte à biscuits. Elle prépare toujours un cake. Elle prépare toujours des gâteaux secs. Elle prépare toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose à manger chez elle. D'accord. Même si il y avait des enfants, je veux dire, si des fois il y avait des, elle dit, mais les copines qui venaient de mes enfants. Il y avait toujours quelque chose à manger. C'est vrai. D'accord ? Oui. Un verre de lait, elle dit, un gâteau, il y avait toujours quelque chose. C'est un ange, votre maman. C'est vrai. D'accord ? Et elle reste encore un ange de l'autre côté. C'est pour ça qu'elle fait... D'accord, d'accord. Ok. Elle me dit, c'est le guide qui me dit, c'est pour ça qu'elle fait des incarnations. Elle a un poste bien, bien titré par rapport à ce qu'elle est. D'accord ? Mais j'ai toujours autant de chagrin et de peine au bout de 50 ans. J'arrive pas à accepter qu'elle soit plus là. Vous savez, Marie, que vous lui ressemblez beaucoup. D'accord ? En caractère, vous êtes une très très bonne maman. Hein. Elle est en train de me dire, n'est-ce pas hein, voilà. C'est vrai. Voilà. Le chagrin que vous avez de votre mère, c'est le chagrin que votre fille aurait de vous. Ah. Eh oui, eh oui. Eh mais oui, elle aura la même chose. C'est trop lourd à porter. Mais oui, mais votre fille, ça sera pareil. Vos filles, ça sera pareil, hein. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et les filles, des filles, en fait, vous êtes des âmes très liées les unes aux autres. Il va falloir apaiser votre cœur, parce que votre mère, elle a toujours été là. Elle a toujours été présente et elle continue d'être présente. Et vous direz, zut, mais le jour où vous quitterez ce corps, vous direz, mais... Maman, je l'ai toujours vue, parce qu'elle vient vous voir là pendant la nuit. D'accord, hein? Vous allez la rejoindre pendant la nuit. Je ne comprends pas que depuis 50 ans qu'elle est partie, je rêve pas de maman. Parce que oui, parce que si d'accord. En fait, elle me dit que vous la rejoignez pendant la nuit, d'accord. Votre âme, elle la rejoint, mais vous vous rappelez pas parce que vous faites un blocage au niveau du cœur. Sinon, vous auriez la possibilité de vous rappeler certaines choses que vous faites avec elle. Vous rêvez souvent que vous retournez à la maison, à l'ancienne maison. Oui. Elle dit, mais on fait des choses dans cette maison ensemble. C'est que tu te rappelles plus. Si. Mais pas tout. Vous revoyez toujours l'enfance, que vous êtes dans le jardin, que vous rentrez dans la maison, que vous êtes dans la maison. Vous voyez que vous faites des choses avec elle et que vous l'appelez, que c'est normal, que c'est naturel. D'accord, hein? Je ne me souviens pas de ça. Ouais, oui, mais après... C'est très lourd. C'est très lourd à porter ce chagrin depuis autant d'années. J'arrive pas à apaiser. Elle dit, je t'aime énormément. Moi aussi. Elle dit, je t'aime énormément. Elle dit, c'est tes frères et sœurs. Vous avez ce chagrin parce que vos frères et sœurs sont partis, en fait. Et donc, du coup, vous n'arrivez pas à relier un lien avec elle par un frère et sœur. Essayez de contacter votre sœur, la plus jeune, elle dit. Elle va reprendre contact avec toi. Mmh. D'accord ? Voilà. Elle dit, essaye de relier, essaye d'aller vers elle encore, insiste, et elle reviendra vers toi. D'accord. D'accord. Mais je voulais la remercier pour tout ce qu'elle fait pour mes enfants, mes petits-enfants, qu'elle protège. Et elle dit, tu ne manques de rien, ma fille. Non. Elle dit, grâce à Dieu, tu ne manques de rien. C'est elle qui me manque. Okay. Elle est partie trop tôt et j'ai pas. Quand j'étais enfant, en fait, je lui ai pas dit assez que je l'aimais. Elle est partie. Elle dit, mais on le disait pas, on faisait les choses. Tu l'as fait après. Tu l'as fait après avec tes frères. Elle m'a dit, avec la famille, tu l'as fait avec tes frères et sœurs. Tu l'as fait ça. Tu as montré. Tu as voulu. Elle dit, des fois, elle dit, j'ai souvent été présente parce que des fois, tu faisais des choses et tu avais l'impression que j'étais là
en train de t'aider et de dire fais ça, fais ci. C'est moi qui te demandais de faire ça aussi pour faire bien les choses. Est-ce que c'est elle qui a déposé une plume à côté de ma voiture ? Elle dit, il n'y a pas qu'une plume qu'elle vous a déposée. Ah ! D'accord. Oui. Elle dit, il n'y a pas qu'une plume. D'accord. C'est pas la première fois qu'elle vous fait signe, en fait. Mais Marie-Thérèse, tant que vous serez dans le chagrin, vous n'arriverez pas à voir certaines choses qu'elle veut vous montrer. Je ne sais pas comment faire pour plus avoir de chagrin. Et ben, là, je suis contente de savoir qu'elle est heureuse. Il faut savoir c'est ce qui est important, c'est savoir qu'elle est bien, qu'elle vous entoure, qu'elle entoure la famille. Elle n'aurait pas pu me donner les noms de vos petits-enfants. Oui. D'accord. Je m'en veux terriblement de ne pas être allée à ses funérailles. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas pu aller à l'enterrement de maman. Mais moi, je n'ai pas voulu. C'est pas, ouais, j'ai pas eu le temps. Voilà, mais des fois, même si vous... Peut-être que si vous auriez voulu, vous n'auriez pas pu y aller. Vous comprenez ? Je veux dire, elle voulait... D'accord. Elle dit, je voulais que tu gardes une image. Voilà, ça a été comme ça. Ton âme a choisi aussi ce moment-là. Parce que tu voulais garder l'image d'une mère encore vivante. Moi, je ne voulais pas qu'elle soit enterrée, qu'on mette ma mère dans la terre. Voilà. Elle me dit, tu m'aurais mis où, mon corps? Dans ta chambre? Elle aimerait que vous mettiez cette photo dans un cadre. Il est déjà dans un cadre, hein, ou pas? Elle est dans mon armoire, mais je peux la mettre dans un cadre. Elle aimerait que vous le mettiez dans un cadre. D'accord. D'accord. Elle dit pas avec papa. Je m'en doutais. D'accord. Mais elle dit, parce que j'ai continué ma vie de l'autre côté et je suis bien, bien heureuse. D'accord. C'est bon. Mais elle dit, mais pas avec ton père parce que ton père a refait sa vie. Donc elle lui envoie beaucoup. Elle est très très affectueuse. Votre maman, c'est quelqu'un qui pardonne très rapidement. Ouais. Hein, c'est pas une rancunière. Voilà. Elle me pardonne, là. Elle vous pardonne, elle dit, je ne t'en veux ni à toi, ni à ton père, ni à qui que ce soit, elle dit. Je ne peux pas. Voilà. Sa vibration, elle est très haute, votre maman, vous savez. Mmh. Elle a une vibration très haute. Déjà, pour accompagner les gens dans une réincarnation, c'est qu'elle a déjà fait beaucoup de travail sur elle. D'accord. Il faut que vous le sachiez. C'était quelqu'un de très bon, très généreux. Voilà. D'accord. Elle a aussi, elle dit que sa famille aussi, en fait, il y a ce lien aussi par rapport à la guerre, par rapport, je veux dire, à ce qu'elle a vécu et tout. Je veux dire, de couper un peu le lien familial par rapport... votre père n'était pas forcément accepté dans la relation parce que elle quittait, je veux dire, ce côté allemand pour aller du côté français. C'était pas forcément bien vu. D'accord. Oui, elle a aimé votre père. D'accord. En plus, militaire, elle dit, tu te rends compte? C'était l'apothéose pour ma famille. D'accord. Elle est en train de... D'accord. Et c'est pour ça qu'elle dit que même si ça lui faisait chagrin, ses enfants, elle s'accrochait à ses enfants et c'était ça le plus important. L'amour qu'elle a pu porter, elle l'a donné à ses enfants. Elle sait que sa mère, à un moment donné, elle l'a verrait de l'autre côté. Elle croit à l'autre côté. Elle croyait déjà. Oui. Elle croyait à une existence après la mort. D'accord. La mort du corps, elle dit. Pas la mort de l'âme, parce que l'âme ne meurt jamais. D'accord. Elle peut être reconstruite, elle peut être refaite, l'âme, quand ce sont des criminels, des gens qui ont assassiné, des gens qui ont fait énormément de mal. Donc, elles sont réactivées, les âmes. Mais pas votre maman. Elle est déjà dans cette ouverture de cœur. Et elle me dit, tu comprends moi aussi j'ai fait ce reproche en me demandant si ma maman pouvait me pardonner, si ma famille pouvait me pardonner. Et on se tue à petit feu pour rien. Parce qu'un jour, à un moment donné, on les retrouve. Hein, et encore mieux. C'est que ça... D'accord. Elle me dit que sa destinée était autre hein, et donc elle a dû prendre ce chemin. Et comme vous avez, je veux dire, avec elle, c'est pareil.
D'accord. Elle n'a pas regretté de vivre en France, d'être loin de sa famille. Alors au début, c'était difficile, d'accord? Ça a été difficile. Même les voisins. Voilà. Oui. Mais après, elle s'est fait des amis. Après, elle s'est. Je veux dire, elle était aimée énormément, votre maman. Oui. D'accord. Et puis elle aime recevoir de temps en temps, elle aime ça, elle aime montrer que ses enfants sont propres, qu'ils vont à l'école. Oui. Elle a toujours fait que ses enfants... Elle m'a dit, moi j'ai toujours habillé mes enfants comme si c'était des enfants de riches. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Elle me montre les tissus, qu'elle coupait les tissus et qu'elle faisait. Elle dit, je fais pour ma fille, je fais pour l'autre, mais toujours différent, pas toujours pareil, elle dit. Oui, c'est vrai. Elle me dit, j'aime pas non plus qu'on s'habille trop pareil comme mes gosses. Hein. Voilà. Et moi, je me chipais ses chaussures à haut talons et son manteau de fourrure quand j'étais petite. Sans qu'elle voyait, et puis je me... Elle le savait parce que votre maman, elle est ordonnée. Elle est ordonnée. Ordonnée. Elle savait comment elle avait mis ses chaussures. Elle est... D'accord? Elle le savait. Je marchais avec ses chaussures à talons. Elle dit rien parce qu'elle sait que... Elle a fait pareil, elle aussi. Vous savez que c'est une grande famille de son côté aussi. Hein, oui. Hein, ils sont nombreux, hein, ils sont nombreux. Elle a été acceptée. Elle me dit, moi, je pensais que le fait d'être allemande, d'être en France, je veux dire, elle dit avec le débarquement là-haut et tout. Ouais. Elle dit, j'ai cru que... Et finalement, j'ai été bien accueillie, bien acceptée. J'étais tellement gentille que tout le monde voilà, l'a acceptée. Elle a été acceptée. Pas vite, mais... Voilà. Ouais. Quand ils ont vu les qualités qu'elle avait, le guide est en train de me dire, elle a été acceptée. D'accord, hein? Voilà. Et elle dit, j'ai été heureuse, hein? J'ai manqué de rien, elle dit. Ah, j'étais bien, elle dit, j'étais bien. Je regrette simplement quand elle est partie. En fait, j'avais 13 ans et j'étais stupide à l'époque. Et c'est vrai qu'on s'approchait souvent, quoi. Mais vous étiez enfant, c'est normal, vous étiez enfant. Elle était adulte, d'accord? Marie, il faut comprendre que vous étiez une enfant, que vous ne compreniez pas les choses. Et puis, c'était la première fois aussi que vous voyiez quelqu'un de mort, en fait, un décédé aussi. D'accord? Je regrette de ne pas avoir été plus gentille quand j'étais jeune. Elle sourit à ça, elle dit, tu sais, j'en ai eu depuis pire, hein. J'en ai connu des plus pires avant aussi, avant de connaître ton père. Hein. Donc, c'était pas facile. Elle dit qu'elle était dans une... D'accord. Ok. D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle était dans une famille compliquée aussi, difficile. D'accord. Elle dit qu'il y avait encore ce côté allemand Reich qu'elle supportait pas, elle. Ouais. D'accord. Donc, elle dit vivre avec ça... avec le dégoût des autres, comme si les autres c'était des animaux et tout ça, elle me dit, moi je pouvais pas accepter ça. Hein? Elle me dit, t'inquiète pas, c'était pas méchant ce que tu faisais, c'était une enfant, c'est rien, il n'y a rien de méchant, elle dit des fois tu en avais marre, c'est normal, hein? Parce qu'elle vous demandait beaucoup, d'accord, hein? Et donc, c'est normal que, elle dit, c'est normal que tu, à un moment donné, tu dises non ou que tu le fasses pas tout de suite parce que tu avais aussi d'autres choses aussi, tu avais aussi ta petite vie à faire aussi. Oui. Voilà. Mais je l'aime énormément. Elle le sait, ça. Et elle vous aime énormément. Elle dit, je te fais un gros cœur, elle dit. Un gros cœur. Vous aimez les fleurs, hein? Parce qu'elle est en train de me dire plein de fleurs, de toutes les couleurs, elle dit. Oui, je... Voilà. Elle aussi, elle aime les fleurs, hein? D'accord. Et elle me dit, j'aime bien porter des parfums de fleurs, elle dit. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, c'est drôle, je sens le lilas avec votre maman. Ah, j'aime bien. Oui. Le lilas, vous voyez, ouais. Elle sent le lilas, votre maman. Mmh. C'est une odeur que j'adore. Elle sent le lilas. Et il y a une partie rose et une partie lilas avec elle. Vous voyez, la rose et le lilas. Elle dit, écoute-moi, sois attentif, regarde les choses, je te montre les choses. D'accord? Elle rigole, elle dit, je ne viendrai pas en mouche. Hein.
J'aimerais plus avoir tout ce chagrin, surtout. De penser à elle sans avoir beaucoup de chagrin tous les jours. D'accord. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? D'accord, ok. Alors, elle est en train de me dire qu'elle viendra vous chercher en rêve et que vous vous rappellerez du rêve. D'accord. Hein? Elle mettra beaucoup plus de plumes. Voilà. Elle avait un collier, vous avez gardé quelque chose à elle? Des bagues, des bijoux, oui. Des bijoux? D'accord. Elle me dit porte quelque chose à moi pour que je voilà, porte une énergie à moi que j'ai portée pour que je puisse pour qu'on puisse être en contact. D'accord. Vous voyez, Marie-Thérèse, moi j'ai besoin d'une photo pour pas qu'il y ait un autre défunt qui vienne à sa place. Vous voyez, interférer. Donc je demande une photo. Je pourrais très bien ne pas travailler avec les photos. D'accord. Mais pour ne pas fausser les choses, j'ai besoin d'un support pour qu'il se montre. Et vous aurez besoin de porter quelque chose à elle. D'accord. Elle me montre qu'elle aimait bien les petits foulards aussi, très colorés, qu'elle met comme ça. D'accord. Voilà. Elle dit porte quelque chose à moi pour que je puisse me connecter à toi. D'accord. Encore plus. C'est le côté physique là. D'accord. Voilà. Elle vous embrasse très très fort toutes les deux. Elle dit embrasse les enfants. Et Valérie l'embrasse aussi. Voilà. Elle dit embrasse Valérie et ses enfants feront encore des filles. Elle dit, et ça a continué la génération du cœur, elle dit. Oui. D'accord? Voilà. Elle a le brevet en ce moment, celle qui a 15 ans? Oui. D'accord. Oui. Elle a fait l'oral. D'accord. Ça s'est bien passé, c'est une bonne élève. Elle me montre que c'est une bonne élève. Hein. Elle n'a pas de quoi, je veux dire... paniquer et tout ça, c'est une bonne élève. Elle parle bien allemand en plus, comme sa grand-mère, son arrière-grand-mère. Voilà, parce qu'elle est en train de me dire qu'elle sait ce qu'elle veut, hein, de toute façon. Hein. Oui. Elle a déjà programmé sa carrière, elle sait déjà comment elle va. Sistine, elle est plus sensible, elle a plus une sensibilité, elle est plus. Elle dit c'est une fifi, hein. C'est, elle dit, elle est plus. Je veux dire. Vous savez ce qu'elle veut faire, Sistine, ou pas, au niveau de sa carrière? Elle veut être infirmière. D'accord. Est-ce que maman peut l'aider parce qu'elle est en liste d'attente? Elle est tellement déçue de ne pas pouvoir commencer ses études. Eh oui. Elle va l'aider, d'accord? Elle a une sensibilité vis-à-vis des personnes. Hein, elle a ce côté-là. Elle dit des fois, elle verra des choses qui pourront la choquer ou... c'est pas évident pour elle, d'accord? D'accord. Elle est en train de me dire qu'elle va faire le nécessaire pour qu'elle rentre dans cette carrière. Oh, merci. D'accord. Mais Sistine, on a l'impression qu'elle aura plus le côté plutôt les enfants, tout ce qui est tout ce qui est lié aux enfants et tout ça. D'accord. Oui. Les enfants et tout. Ça sera plutôt son domaine pour elle plus tard aussi. D'accord. Elle ne s'arrêtera pas qu'à infirmière, elle est en train de me montrer qu'elle fera des formations aussi à côté, des choses qu'elle. Je veux dire, des choses auxquelles elle pourra s'épanouir aussi spirituellement, elle est en train de me montrer. Ah, d'accord. D'accord, hein? Qui sera un lien avec ce qu'elle fera. C'est une bonne élève, elle est en train de me montrer que c'est une bonne élève aussi, mais elle va faire le nécessaire déjà pour qu'elle. Merci. Il y a des personnes qui vont se désister, d'accord? En fait, il y a une liste, donc il y a des gens qui ont mis ça, mais ils n'ont pas forcément envie de faire ça. Donc, il y a des personnes qui vont se désister et elle va pouvoir trouver une place là-dedans. Elle est en train de faire le nécessaire. D'accord. Merci. Voilà. Elle vous embrasse toutes les deux très très fort. Elle embrasse Valérie aussi, elle embrasse ses enfants. D'accord. On l'embrasse. Voilà. Et elle dit un gros. Elle me dit et je viendrai bien caresser le chat pour l'embêter un peu. Voilà. Ma Minette, non, Marinette ou Marie.
Marnie. Elle l'appelle pas comme ça, elle. Hein. D'accord. Elle l'appelle Marie-Niette. Marie-Niette. Elle avait des fois des soucis de locution pour parler ou le français. Elle avait l'accent. Non. Voilà. Bah, alors c'est pour ça qu'elle dit Marie-Niette. Marie-Niette. Voilà, c'est Marie-Niette. Voilà, puis le français toute seule. C'est... Voilà. Elle disait que c'était plus compliqué de l'écrire. Oui, c'est vrai. Voilà, plus difficile pour elle d'être. Des fois, j'embêtais quand elle faisait des fautes d'orthographe. Elle dit que t'étais pas gentille, elle dit, elle rigole. Ouais. Non, elle dit, c'est une femme très intelligente, votre maman. Oui. D'accord. Les langues, le français, tout ça, maintenant, de l'autre côté, ils savent tout faire. D'accord. Voilà. Voilà, on va l'embrasser très fort. Votre papa est déjà parti, il vous a embrassé tout à l'heure, il m'a dit je repars. Hein, il est au... Ah, il est déjà parti. Ouais, ouais. C'est un courant d'air, votre père, il rentre, tout d'un coup, il n'est plus là. D'accord. Il est reparti, hop, où il est papa, il est parti. Ouais. Il a dit au revoir les enfants, hop, il repart. D'accord. Ouais. Voilà. D'accord. Merci pour eux et merci de... Voilà, j'ai remercié le guide de les avoir permis de... Merci Isabelle, un grand merci Isabelle. Merci à vous. Ne quittez pas, d'accord ? D'accord.